Et coucou, aujourd'hui, on va parler d'une bande dessinée qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » d'Émile Ferris. Il est impossible de donner un résumé clair à cette bande dessinée. Basiquement, on pourrait dire que c'est la narratrice qui, fascinée par toutes sortes de monstres, se dessine en loup-garou. Un jour, sa voisine de palier, toujours si gentille avec elle, se fait assassiner d'une balle dans le cœur. Alors, la jeune fille va mener l'enquête. Cette enquête va l'emmener dans le passé de sa voisine, mais aussi à se découvrir elle-même et à découvrir sa ville et sa famille. Cette bande dessinée est dense. À lire, c'est très compliqué, parce que c'est un univers qu'on ne maîtrise pas. Il faut du temps et de l'énergie. Mais une fois qu'on est dedans, c'est absolument prodigieux. L'univers est absolument gigantesque, c'est complètement dingue. On sort complètement de notre quotidien et de ce qu'on a l'habitude de lire. Graphiquement, c'est aussi assez incroyable. Tous les dessins sont au stylo bic et on les déchiffre autant qu'on lit le texte. Si tu as aimé ce conseil lecture, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou à partager à tous tes amis lecteurs. Je te retrouve demain pour un nouveau conseil lecture. Bisous !